Donc bonjour à tous les amis et bienvenue dans Serven Black, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve pour le Sky Mode Friday SE numéro 41. Donc je commence comme d'hab avec la baraque. Cette semaine j'ai trouvé une maison aussi bien que celle de la semaine dernière. Bon, elle n'est pas aussi réussie c'est sûr, mais elle est faite par un modeur qui a du talent. Et c'est le mec qui a fait, c'est JK, mais je pense que tout le monde le connaît maintenant parce que sur le Nexus il y a beaucoup de modes de lui. JK, il a fait les villes, il a relooké les villes du jeu, il a fait Blanche Rive, etc. Il a fait presque toutes les villes et il fait maintenant le même genre de mode, mais pour relooker des auberges et des temples. Par exemple, il n'y a pas si longtemps. Dans mes épisodes de la SE, je vous ai présenté JK Dibella, je crois, où il relookait le temple de Dibella. Et à chaque fois, il fait du travail de ouf. Mais là, en fait, je savais même pas qu'il avait fait une maison. Et je l'ai pas présenté sur la version LE parce qu'elle était pas, je crois, dispo. Je la découvre vraiment que sur cette version-là. Et elle est dispo depuis l'année 2020. Ouais, parce qu'elle est pas récente, hein, je crois que c'est 2020 ou... Je sais pas si c'est 2021 ou 2020, je m'en souviens plus, mais je crois que c'est 2020. En tout cas, il a, comme il sait, je sais ce qu'il sait faire, je sais ce dont il est capable. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris la maison directe. Je savais que ça allait être bien de toute façon à l'intérieur. Puis j'ai regardé les photos, bien sûr. Je regarde toujours les photos avant de les choisir. Donc le mode somme JK Riverfall Cottage créé par JK Rojmal. Et à l'extérieur, déjà vu de l'extérieur, elle est magnifique puisqu'il y a la résidence principale au milieu. Il a fait une petite maisonnette de forge à gauche. Et à droite, il a fait une espèce de tour de mage. Vous avez hôtel d'enchantement, etc. Il y a aussi un enclos pour les poules. Il y a un truc d'écurie pour un de vos... Si vous avez un cheval. Il y a deux entrées pour aller dans la baraque. Il y a aussi un balcon pour avoir une vue sur les cascades. Et après, il n'y a que la petite maisonnette de forge. Donc pour forger ce sera à l'extérieur. Et puis à l'intérieur rien à dire, tout est bien décoré. Il a fait au milieu en plus de la pièce centrale, il a fait un espèce il a fait des rambardes et en fait on voit l'étage d'en dessous. Parce qu'il y a trois étages dans cette baraque, c'est ce qui a marqué. Il y a trois étages et du coup le sous-sol, il y aura les cuisines. L'étage du milieu c'est celui-là en fait, c'est le salon pour manger et tout ça. Avec des pièces, hein. Bien entendu il y a des chambres derrière les portes. Par contre, il y a des portes qui mènent vers l'extérieur, donc attention. Il y a aussi ce petit couloir qui sert de, on va dire, entrepôt pour armure, avec des mannequins, il y en a trois. Et il y en a encore à l'étage. Et en fait, le dernier étage, le troisième, c'est là où il y aura la chambre du joueur, avec le lit de place, et il y aura une petite surprise. Je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser regarder. Donc là, c'est les fameuses petites chambres. Et à chaque fois, il y a un lit de chaque côté, à gauche et à droite. Ce qui fait qu'il y a une chambre où il n'y en a qu'un seul, ça fait trois lits. Ça fait trois lits pour l'étage du milieu, le lit de place en haut. Ouais, du coup, ça peut... Et il y a la chambre d'enfant, qui est le dernier étage aussi. Donc ça fait beaucoup de lits. Voilà, pour accueillir des followers en plus des gosses. Parce qu'ils auront chacun leur chambre. Et là, c'est l'étage d'en dessous. Donc l'étage le plus bas. C'est là où il y a les cuisines, avec tout plein de bouffe. Voilà. Qui est hyper bien faite, ça donne envie de les bouffer d'ailleurs, ça donne envie de bouffer carrément. Et là c'est la fameuse chambre de gosse, comme je disais, elle est bien décorée avec tout plein de figurines. Et là c'est la surprise qui est au dernier étage, juste à côté de la chambre du joueur. C'est la surprise, c'est la régalade, parce que moi j'adore quand il y a ce genre de truc dans les baraques. Un petit jacuzzi avec, mais qui fait pas de bulles, dommage. Du coup mon perso en a profité direct. Et ici, c'est la dernière pièce à voir, c'est la chambre du joueur, avec le lit de place du coup, comme d'hab. Au début, j'allais passer à côté, j'allais l'oublier, et je me suis dit, ah, c'est bizarre, il n'y a pas de chambre du joueur, il n'y a pas de lit de place. Du coup, j'ai cherché partout, j'ai fait, ah. Moi, je suis tombé dessus, j'ai fait, merde, je l'ai oublié cette pièce. Regardez pas la statue de Mara, c'est un mode qui l'air loucle. Ne la regardez pas. Donc voilà, on a déjà fait le tour de la maison. Par contre, j'ai oublié de vous dire où est-ce qu'elle se trouve. C'est juste à côté de Rivebois. En fait, vous sortez de la ville, vous suivez le chemin, vous allez tomber dessus. Elle est située au même endroit que la maison qui s'appelle Riverside Lodge et qui est une de mes maisons préférées. Donc, faut surtout pas avoir les deux installés en même temps parce qu'ils utilisent le même emplacement.
Après, si je compare les deux, je préfère quand même Riverside, mais celle-là, elle a du niveau quand même. Si vous connaissez pas Riverside Lodge, je l'ai présenté aussi, sur la version normale. Donc, on passe au mode suivant. C'est un mode qui va plaire aux gens qui aiment jouer dans le style voleur. Après, les autres, je sais pas, mais... Donc, vous aurez un menu MCM, avec un petit symbole... Il y a un petit symbole avec un œil et une serrure. C'est parce que c'est un mode qui va vous permettre de regarder à travers la serrure d'une porte. Ouais, c'est un mode... c'est un génie, hein, celui qui l'a fait. Vous allez voir. C'est toujours le même. J'en ai marre, d'ailleurs. À chaque fois, les modes de génie, c'est lui qui les fait. C'est pas normal que ce soit toujours lui qui ait les bonnes idées. Ou alors, c'est le seul mec qui est compétent et qui arrive à faire des trucs de ouf. Bref. En tout cas, tous les modes bien, c'est lui qui les a. Le mode somme Take a Pick New Steals Mechanic, créé par Jay Serpa. Du coup, si vous allez sur le Nexus et que vous regardez le reste de ces modes, vous allez avoir envie de tout le télécharger. Et je crois que j'en ai présenté beaucoup de ces modes. Il y en a 2-3 que j'ai pas encore fait, donc peut-être que vous les retrouverez dans mes épisodes futurs. Du coup, si vous les téléchargez avant, ça vous spoilera un peu, mais tant pis. Donc du coup, comment on s'en sert? Vous allez devant une porte. Là, il m'a même pas grillé alors qu'il est passé devant le PNJ. Vous êtes devant une porte, moi j'ai activé la case dans le menu MCM pour qu'en fait, quand je maintiens ma touche CTRL, pendant 2 secondes, en fait, mon perso va se baisser, il va regarder, la porte va s'ouvrir comme si vous rentrez à l'intérieur, mais vous n'allez pas rentrer, vous allez juste regarder dans la serrure, ce qui fait que le jeu va déjà charger l'intérieur de la baraque, ce qui fait que si vous décidez d'y rentrer juste après, et ben le jeu aura déjà chargé l'intérieur, du coup le chargement sera ultra rapide, c'est ce que le modeur a dit. Et après, les PNJ peuvent faire des commentaires s'ils vous voient le faire. Par exemple, ils peuvent dire « Hey, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça !» Moi, ils l'ont pas fait parce qu'ils m'ont pas vu, parce que moi, je l'ai fait de nuit. Du coup, en fait, la moitié des PNJ, à chaque fois que j'ai regardé, ils dormaient. Du coup, je pouvais pas me faire griller. Et voilà. Vous pouvez aller regarder dormir ensemble, faire des trucs bizarres. Par contre, faites attention aux mauvaises surprises, comme au début de la vidéo, hein, parce que peut-être qu'un jour, vous aurez quelques surprises. Bon, en tout cas, des fois, ils font des trucs bizarres. Dans des pièces, les PNJ, avec grâce à un certain mode pour adultes, que je vous montrerai peut-être un jour, dans une vidéo. Bref. Donc, on passe au mode de la followeuse. Cette semaine, c'est une mage, et vous la trouverez du coup à l'académie, dans le hall des éléments. Ouais, je sais pas si ça se dit comme ça en français. En tout cas, en anglais, c'est hall of éléments. Elle est là où Tolvdir vous apprend à vous servir de magie, mais vu sa tête à elle, là elle est en train de dire « Moi j'ai pas besoin de leçons, donc du coup t'es nul. » Elle fait la meuf, du coup. Et dans son inventaire, elle a juste une tenue normale, quoi, une tenue de noble, avec une dague et une torche, rien de bien ouf. Et dans sa magie, elle utilise un sort de flamme, un sort d'étincelle. Elle peut faire une barrière et elle peut soigner les autres et se soigner elle-même. Donc elle a le strict minimum pour une mage. Elle a pas des sorts bien ouf, c'est dommage. Donc le mode somme Elinor, standalone mage follower, créé par T4TZelworm. Voilà, compliqué ce nom. Du coup, le nom complet c'était standalone mage follower high poly head, mais c'était pas la peine de le marquer. Hein. Elle est compatible avec les corps CBBE3BA et BHUNP. Du coup, si vous avez l'un ou l'autre, comme ça passe. Moi du coup j'ai BHUNP, du coup elle utilise En fait j'ai BHUNP, mais je ne sais pas du tout si elle utilise un corps BHUNP, puisque c'est bizarre, son corps était tout mince, bref, on dirait qu'elle utilise un corps de base, c'est bizarre. Bon après j'ai fait un peu combattre pour qu'elle utilise sa magie, elle switch en fait entre son sort d'électricité et son sort de flamme, elle va plus utiliser son sort d'électricité. Elle s'est pas beaucoup soignée parce qu'elle en a pas eu besoin et elle tape avec sa dague en même temps, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que des fois il y a des followers qui utilisent leur magie et comme des teubés en fait ils oublient qu'ils ont une arme accrochée à leur ceinture, mais elle l'oublie pas. Point positif. Et sa tête est plutôt bien faite, hein, faut le dire. Je l'ai pas pris que pour son visage cette fois, cette semaine. C'est vraiment parce que je kiffe les followeuses qui sont des mages. Je kiffe les mages en général. Du coup, quand il y a un follower mage qui est bien fait, je le prends direct. Que ce soit un mec ou que ce soit une meuf. Donc voilà. Après, elle a aussi profité de jacuzzi, comme vous pouvez le voir. Donc, on passe au mode suivant. Ça va être une présentation un petit peu plus rapide que les autres, puisque c'est juste un mode qui rajoute
un petit sac, un petit backpack dans votre dos qui utilise HDT SMP, du coup qui utilise la physique. C'est pour ça que vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce sac de merde? Eh ben, ce sac de dope, comme on dit, il utilise SMP, du coup il utilise la physique, et du coup ça bouge quand vous bougez votre personnage, quand vous vous baissez, quand vous sautez, quand vous courez. En fait, les objets du sac vont bouger en même temps. Réalisme. Voilà, SMP c'est égal réalisme, immersion, donc c'est pour ça ce sac, c'est ce qu'il a de plus que les autres. Le mode sauvage DT SMP Traveler's Backpack créé par Fuse00. Sur le sac, les éléments, il a juste mis un petit poignard accroché, deux petites potions flacons verts, des flacons verts, un petit emblème pour le fermoir et un petit rouleau rouge en dessous qui se balade, qui est accroché. Et il y a aussi une petite coupe pour boire, voilà, qui est accrochée sur le côté et qui va bouger, qui va pendouiller comme tous les autres éléments. Et il y a aussi le symbole qui est sur le sac, le symbole beige. Et faut dire aussi que la texture du sac, elle est magnifique. Quand vous la regardez de près, je veux dire. D'ailleurs, là, vous le voyez de près. Du coup, vous pouvez admirer la texture. Ça fait vraiment, on dirait, du vrai cuir qu'on voit dans la vraie vie, simplement. C'est vraiment un sac de cuir. Après, bon, il en a... Quand on voit les définitions, je sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait que le sac en a pris plein la gueule. En même temps, c'est un sac d'aventurier, c'est normal qu'il en prenne plein la gueule. Et ce qui est bien, c'est qu'il augmente votre portée de 100. Donc voilà pour le sac. Terminé. On passe maintenant au mode désarmure. Donc l'armure pour les gars doit vous rappeler quelque chose. Hein. Oui, c'est la tenue d'Assassin's Creed de Bayek dans Origins. Je l'ai reconnu direct hein, parce que en fait le modeur il a juste marqué AC pour Assassin's Creed. Mais j'ai reconnu direct le jeu hein, parce que j'y ai joué. Du coup, c'est très fidèle c'est très fidèle à l'armure de base, mais en fait il a pas fait ça dans le seul but de recopier une armure de AC. C'est juste en fait un ensemble que vous pouvez équiper, mais il y en a deux autres. C'est ça qui est bien avec cette armure. Donc le mode somme Hermit Armor créé par Nukanecom 3260, on va dire comme ça, ou 3260 pareil. Donc ici c'est le deuxième ensemble qui est le normal. En fait je vous ai montré l'ensemble AC avant le normal. J'ai fait les choses à l'envers. Donc le normal c'est une espèce de couleur bleutée. On a une espèce de foulard qui est accroché dans le dos. Au niveau de la ceinture elle est hyper bien faite. On a des espèces de petits couteaux accrochés etc. On a une épaulière qui est bien faite aussi. Que sur le côté gauche, pas de l'autre côté. Sur l'épaule gauche seulement. Et on peut équiper la capuche de trois façons différentes. Ouais je crois, ou quatre même. En fait on peut l'équiper capuche plus masque, on peut équiper le masque tout seul avec la capuche baissée, la capuche sans le masque aussi, et on peut équiper juste l'écharpe sans la capuche et le masque, voilà. Donc vous avez l'embarras du choix, pour ce qui est de la capuche vous avez l'embarras du choix, et après l'ensemble ça change pas vraiment, les bracelets, les bottes ne changent pas vraiment, c'est juste en fait les couleurs qui vont changer, et ici c'est le troisième ensemble du coup qui est l'ensemble DB. Et DB, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? En fait, ça ne veut pas dire Dragonborn, ça veut pas dire autre chose, ça veut dire Dark Brotherhood, ce qui veut dire en français la confrérie noire. Du coup, c'est sur le thème de la confrérie noire. Et c'est ma préférée parce qu'il y a du sang dessus et tout sur les bottes et les gantelets, etc. Il y a du sang sur le plastron, donc hyper bien faite. C'est vraiment une armure de tueur, le troisième ensemble. Donc c'est mon préféré. Voilà. Même si l'ensemble de Assassin's Creed est bien aussi. Mais je suis pas très fan d'Ubisoft. Enfin, j'étais fan d'Assassin's Creed, mais maintenant c'est terminé. J'aime pas ce que c'est devenu. Donc maintenant, on passe à l'armure pour les femmes. Et elle s'appelle la Coco Battle Angel. Bref, pareil. Pour les corps CBBE, TBD et BHUNP. Donc créée par Coco, du coup, tout seul. Il l'a pas fait avec quelqu'un, celle-là. Apparemment. Elle est pour les... Bah, du coup, elle est pour les corps qui sont affichés. Hein. J'ai tenu à le marquer quand même. Même si d'habitude je ne le fais pas, parce que des fois il n'y a pas la place. Donc je le dis, mais je le dis quand même après. Et donc au niveau de l'armure, il y a plein d'éléments, du coup, comme toutes les autres armures de Coco, il y a... En fait, tous les éléments sont séparés. Faut tous les équiper séparément. En fait, il y a les bottes, il y a les jambières, il y a les cuissardes, il y a les collants, il y a les gantelets tout simples, il y a les gantelets qui s'équipent sur l'avant-bras, et il y a les gants sur les mains.
En fait, c'est séparé, pareil. Et après, il y a les épaulières, il y a même les espèces de, d'éléments qui s'accrochent sur le biceps, en fait, c'est séparé. Faut tout équiper séparément. C'est un peu relou, c'est vrai, mais ça vous permet de... Ça vous permet de fusionner des éléments que qu'on pourrait pas faire avec une armure qui s'équiperait comme ça, d'un claquement de doigts. Et après, vous avez une couronne qui, en fait, va bouger en fonction des mouvements de votre perso. Ça, c'est bien. Donc, du coup, elle va tanguer de gauche à droite quand vous allez courir. C'est stylé. Même là, elle bouge, en fait, alors que mon perso ne bouge pas. Elle bouge toute seule. Et vous avez trois couleurs différentes. Enfin, non, vous en avez cinq. Je vous ai montré la noire, je vous ai montré la bleue, et là, c'est la rouge. J'ai tenu à faire les couleurs, enfin mettre les couleurs, mettre les mêmes couleurs entre elles. J'ai pas voulu les mélanger du coup. J'ai vraiment mis les mêmes couleurs à chaque fois. Et bien sûr, on a une cape qui est SMP, du coup elle va aussi prendre en compte la physique. La cape est plutôt de bonne qualité, moi j'ai bien aimé. Et il y a aussi trois épées qui sont avec l'armure. Et il a pas fait semblant avec ce mode. Il y a trois épées qui sont fournies, il y en a une qui a une poignée noire. Une poignée noire, il y en a une qui a une poignée bleue et l'autre une poignée rouge. Donc là aussi vous avez le choix. Par exemple, si vous vous habillez en noir, vous équipez l'épée avec la poignée noire, comme ça ce sera uniforme, ça qu'on dit, je sais pas, bref. Et bien sûr, si vous enlevez la cape, on verra les fesses de votre perso comme d'habitude, et aussi l'espèce de top, en fait le haut de votre perso, vous pouvez choisir de le mettre en transparence ou pas. Moi, je l'ai pas fait parce que sinon, on voyait des trucs qu'il faut pas voir. Voilà. Donc, c'est ici que se termine l'épisode. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous retrouve lundi pour une vidéo. Je sais pas laquelle. Surprise. Et je vous dis bon week-end. Ciao. We'll be right back.